Il était déjà là il y a 11 ans. Monsieur Florencil. Joyeux bois, un chaleureux chêne, nous tient autour d'une table à peau du ventre bien tendu. Les vieux finissent l'eau de vie tandis que les jeunes mangent leur pain blanc, en chatouillant les petits qui s'étouffent en rigolant. Les repas de dimanche midi, comme quand je sais plus qui lisait, je sais plus qui lisait. Le brin, ça se trouve pas en lingot, pas en lingot. Sous la menace, ses minuscules dés de viande, en faisant la grimace, il en donne un sur deux aux chiens. Moi j'y vois clair dans son petit jeu. Il me supplie du regard, alors je ferme les yeux. Les repas le dimanche midi, comme je sais plus qui disait, le bonheur ça se trouve pas en lingot, mais en petite monnaie. Sur sa chaise d'arbitre, surveille d'un œil abstrait l'arbre généalogique. Dire qu'on vénère tellement ce petit incontinent, la grand-mère l'embrasse en rital. Je vous jure que c'est mieux avec l'accent. Ça me rappelle quand on était gamin, on faisait nos prières en italien. J'ai longtemps cru que Dieu était rital, mais maintenant je sais bien qu'il est américain. Qui fâche les vieux souvenirs de vacances, roule sur la nappe, les miettes de pain, les blagues plutôt que les voisins entre les bouteilles de vin. Les repas le dimanche midi, comme je sais plus qui disait, le bonheur ça se trouve pas en lingot, mais en petite monnaie. Cerise, on va siroter tout le verger. Le grand-père sort les cigares et se les fait tous taxer. Morceaux de sucre dans l'alcool, raffinement de gastronome. C'est la chasse au canard dans le mar de Bourgogne. Les repas le dimanche midi, comme je sais plus qui disait, le bonheur ça se trouve pas en lingot, mais en petite monnaie.